Keep up, keep up. Stop. Espace petit métier. Espace petit métier. Comment les habitants du quartier se débrouillent pour joindre les deux bouts au quotidien? C'est dans Espace petit métier. Espace petit métier. Espace petit métier, mesdames, messieurs, le micro n'arrête pas de se balader. Allons retrouver la gazelle de Balambani. Bonjour. Bonjour, Bizerok, auditeur de Royal FM. Bonjour, chers internautes. Merci de nous rester fidèles. Bizerok, les acteurs de la petite économie se déploient ici, dans ce quartier où nous sommes, depuis ce matin. Et nous sommes avec un qui fait dans ce qu'il va nous présenter lui-même. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment on vous appelle? Fabrice, légalement, je m'excuse. Voilà, Fabrice, dites-nous, on aperçoit des pots de peinture, beaucoup de... Qu'est-ce que vous faites exactement? Je fais dans ce qu'on appelle la galerie. Oui, donc c'est ça que je fais. D'accord, vous proposez des produits pour l'aménagement de la maison, l'ameublement, les constructions? Oui, le confort en général et la sécurité de la maison. Il y a le courant, il y a les peintures, il y a les câbles. Donc, en bref, tout ce qu'on peut trouver à la galerie pour la construction de la maison. Alors, c'est pas difficile gérer tout ça? C'est très difficile, mais quand on est déjà habitué, c'est le départ qui est vraiment difficile, mais quand vous êtes déjà habitué, ça devient très facile. Vous parlez d'habitude, ça fait combien de temps vous exercez dans ce domaine? Pas longtemps, mais j'ai eu à gérer d'abord pour mon grand frère, après je me suis lancé moi-même à faire ma part. Donc je suis là depuis au moins 10 ans. Je gérais avec mon grand frère, aujourd'hui j'ai décidé d'être seul, donc je suis déjà patron de moi-même. Donc pour vous, c'est juste une continuité, ce qui a fait créer, ce qui aurait favorisé certainement le choix pour cette activité plutôt qu'une autre à l'instar, peut-être une poissonnerie ou alors un salon de coiffure, j'imagine. Effectivement, c'est juste une continuité puisque je fais dans ce que je connais. Donc je ne dois pas laisser ce que je connais pour aller m'aventurer dans ce que je ne connais pas. Donc avec ça, j'ai déjà une maîtrise quelque part. Je sais qu'en achetant ceci, à tel prix, je peux vendre comme ça, je m'en sors un peu... Donc c'est un peu ça, que d'aller faire la poissonnerie, que je n'y connais rien. Donc voilà. C'est un peu ça. Parlez-nous un peu de l'approvisionnement, notamment les pots de peinture et autres. Où est-ce que vous vous approvisionnez? Oui, il y a des sociétés de distribution qui sont là. Ils viennent de chaque jour proposer leurs produits. Et chaque société vient avec ses produits pour proposer ce que je suis intéressé. Je prends ce que je ne suis pas intéressé. Je ne prends pas. D'autres produits, je vais au marché, surtout régulièrement au marché central, parce que l'approvisionnement en quantité, c'est au marché central. Donc, c'est là où je vais de temps en temps m'approvisionner. Alors, est-ce que Fabrice dit quand même quelque chose de cette activité? Depuis quelque temps, vous êtes là. Est-ce que vous parvenez quand même à engranger quelque chose à la fin de la semaine ou alors à la fin du mois ou pourquoi pas à la fin d'année? Si on est là, c'est parce qu'on trouve son petit pain quotidien. Donc, si je suis là et je continue dedans, c'est parce que je trouve de quoi manger pour nourrir ma petite famille et les parents. Regardez aussi les parents. Donc, c'est un peu ça. Vous considérez cela comme un métier et est-ce que vous pouvez y introduire un jeune qui souhaiterait être comme vous? Oui, ben, je peux dire que c'est déjà un métier. C'est un métier puisque... Et bientôt, j'aurai besoin de quelqu'un qui va m'aider parce que gérer tout ça seul, c'est pas vraiment facile. Il faudra de l'assistance. Donc, d'un moment à l'autre, j'aurai besoin de quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de m'installer progressivement, mais d'ici quelques temps, j'aurai besoin d'une main d'œuvre qui va m'aider et qu'on va travailler. Avec les années à venir, ça peut encore plus grandir qu'on recrute plus de personnes. On peut imaginer que c'est votre souhait pour 2021. C'est ce que moi je souhaite et je veux que Dieu puisse me donner beaucoup de force pour y arriver. Voilà, Bizerok, nous disons merci à Fabrice ici dans ce lieu mythique, Carrefour Anguissa ou alors au stade malien Koléoué. Voilà, Bizerok, Bertrand Bois, Annie-Lisette Ambassa, micro-baladeur. Nous vous rendons l'antenne. If your system is whack, then you should hear. Easy, easy. Is it? If your system is whack, then you should hear. Easy. Is it true?
Un micro qui se balade, chers auditeurs, vous l'aurez certainement compris. Ah bah ouais, de temps en temps, il s'arrête un tout petit peu pour dégager les infos. Merci à toute cette équipe déployée sur le terrain du côté ce matin, n'est-ce pas, du stade malien. Voilà, il y avait Bertrand Bois et Annie-Lisette Ambass à retour dans ce studio pour dire bonjour à Yannick Ngelewi. Bonjour à vous, Bill The Rock. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui nous accompagnent et qui sont toujours fidèles. Vous savez, la fidélité, c'est quelque chose qui est très proche de la loyauté. N'est-ce pas ? La loyauté manque à beaucoup. Beaucoup aujourd'hui. Dans un monde, vous savez, d'individualistes et d'intérêts éphémères. On ne regarde pas sur des générations futures. Non, du tout. On regarde sur le présent, on se contente des petits avantages. Et lorsque les circonstances changent, nos convictions changent également. Et c'est ça le véritable drame. Lorsqu'on est dans une société où on ne peut plus faire confiance, on n'a plus... Et cette loyauté n'est pas seulement unidirectionnelle. Oui. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on parle de loyauté, il suffit d'une loyauté de la femme vis-à-vis de l'homme non, de l'homme vis-à-vis de la femme. Ça doit être vice versa. Oui. Une loyauté vis-à-vis du frère vis-à-vis de sa sœur ou de la sœur vis-à-vis de son frère, non, du patron vis-à-vis de l'employé ou bien encore... C'est une loyauté qui doit se généraliser pour embrasser le corps social. Vous êtes sur la radio, chers auditeurs, avec Yannick Gelewi et naturellement, n'est-ce pas, Bertrand tout à l'heure. Nous allons parler donc de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Eh bien, Yannick, il y a incompréhension autour du vaccin quand même. Hein, voilà. En réitérant l'urgence, n'est-ce pas, de respecter les mesures barrières encore en application, il faut dire que le premier ministre chef du gouvernement précisait il y a quelques jours que le vaccin sera d'application volontaire. Curieusement, dans les réseaux sociaux hier, les Camerounais se sont indignés de lire un message porté du ministre de la Santé publique qui convoquait ses principaux collaborateurs pour préparer des arguments en vue d'un décret qui rendrait le vaccin anti-Covid obligatoire au Cameroun. Yannick Ngelewi. Est-ce que c'est une blague? Oui, je suppose que si on veut rendre le vaccin obligatoire, ça s'apparente beaucoup plus à de la plaisanterie. Parce que il faut des arguments scientifiques assez rigoureux pour amener les concitoyens qui jouissent, n'est-ce pas, de leur corps. C'est un droit fondamental. On n'impose pas... Vous savez, la question thérapeutique est d'abord psychologique. C'est d'abord de commun accord entre le médecin et le patient qui est en face de vous. Il y a des discussions parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la thérapie. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs sociologiques, il y a des facteurs anthropologiques. Donc, vous ne pouvez pas débarquer un matin avec un produit ou une substance... Donc le doute sur son origine et sur sa capacité de riposte face à cette pandémie est aujourd'hui d'une évidence capitale. Oui. Vous savez qu'il y a aussi plusieurs réseaux mafieux de contrefaçon de ces mêmes vaccins qui se sont déployés. Vous savez qu'en ce moment, avec la multitude des structures et des vaccins qui... Et les structures qui produisent le vaccin, de la nature même de certains vaccins, ça prête davantage à équivoque. Aussi, c'est que localement, les gens font beaucoup plus confiance, vous voyez un peu, à la médecine traditionnelle locale. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas garantir de ce que le vaccin devra éradiquer complètement la maladie ou la pandémie, vous ne pouvez pas rassurer de ce qu'une fois qu'on a pris le vaccin, on ne peut plus, n'est-ce pas, soit respecter les mesures barrières ou mettre le masque. Vous ne pouvez rassurer de rien que le vaccin garantit. Il est de toute évidence que les populations, dans leur immense majorité, émettent des réserves et vous considèrent comme des comédiens. Parce que le matin, vous parlez de quelque chose, le soir, vous posez des actes qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez dit hier, et le surlendemain... Et vous savez, la santé, c'est quelque chose de primordial, c'est capital, c'est même vital. C'est la vie des êtres humains dont il est question. Au-delà de ça, à l'échelle internationale, on peut toujours et davantage revenir là-dessus pour voir le plan mondial qui se cache aussi derrière ce vaccin. Parce que vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'émettre la thèse complotiste. C'est fondé. Si les gens pensent que derrière ce vaccin,
il y a un projet de déshumanisation de l'être humain. C'est fondé parce que vous n'avez pas d'argument contraire. Et tout ce qui est fait milite en votre défaveur ou en défaveur de ce vaccin qui est présenté. Donc je pense fondamentalement que nos gouvernants doivent cesser d'avoir beaucoup plus une oreille tournée vers l'extérieur. On sait qu'ils sont extravertis. Ils doivent cesser d'avoir une oreille tournée vers l'extérieur. Ils doivent trouver des stratégies. Si c'est évident, parce que vous savez, il faut tenir compte de certaines contingences. Si c'est vrai qu'aujourd'hui ils subissent des pressions multiformes et tout cela, qu'ils fassent donc preuve de ruse. D'accord. Alors, surtout que, n'est-ce pas, du côté de l'Europe, il y a quand même encore des populations qui restent sceptiques face à ça. En France, par exemple, ouais, c'est 40% de la population qui n'est pas d'accord avec le vaccin. Bertrand, bonjour. Bonjour, bonjour Bill, bonjour Yannick et à tout le peuple de Combat Royal. C'est vrai que bon, ben, en fait, sur les réseaux sociaux, on trouve du tout et du n'importe quoi. Mais il faut dire que bon, ben, est-ce qu'on peut d'abord juger de l'authenticité, n'est-ce pas, de ce document qui circule? Difficile de dire qu'il n'est pas authentique parce que des confrères et un confrère, un collègue d'ailleurs de cette maison nous a certifié ce matin que la cellule de communication du ministère de la Santé avait authentifié, avait certifié le document. Et la sortie du ministre après cela vient comme pour attester. C'est-à-dire que le ministre ne dit pas qu'il n'y a pas eu une réunion dans ce sens. Il évite de parler de la réunion ou du projet de décret dans ce sens, mais réitère ce que le Premier ministre avait déjà dit il y a quelques jours. Donc ce sont des éléments qui conduisent vers la thèse de la possibilité, de l'éventualité de la tenue effective de cette réunion. Alors, dites, Bertrand, si effectivement, n'est-ce pas, il se trouve que ce document soit totalement authentique, en clair, que veut le gouvernement ? Ben, le gouvernement veut s'arrimer à la donne internationale. Vous savez que le Covid est devenu un instrument diplomatique, un instrument de guerre économique sur le terrain de la santé, un instrument de chantage et de manipulation politique. Vous voyez, en Europe, par exemple, comment expliquer que des gens soient confinés ? On parle déjà de troisième confinement. Ils ont des masques et ils sont dans les mesures de restriction les plus strictes. Mais tous les jours, on vous parle de centaines de nouveaux cas. Comment ils font pour se contaminer ? Si déjà les mouvements sont totalement restreints. Parce que pour sortir, en France par exemple, il faut montrer un ticket. Bien sûr. Il faut montrer un ticket qui atteste de ce que vous êtes testé négatif dans les trois jours. Bien sûr. Alors comment ils font pour se contaminer en masse, comme c'est le cas ? Alors qu'au même moment, on est déjà en train de vacciner. Comprenez que cette histoire a beaucoup de points d'interrogation, de zones d'ombre qui peut-être un jour seront expliquées. Et pour le cas du Cameroun, on parle déjà de 500 cas et tout. Des chiffres qui s'affolent. Là où il y a 500 morts, est-ce que ça s'ignore, Bill Zorok? Si on dit 500 morts là, à la poste centrale, ça s'ignore? Si on dit qu'il y a des morts à l'appel, c'est pas Orca ou où, ça ne va pas s'ignorer. Il y aura un mouvement, il y aura une frénésie particulière. Il s'agit quand même de l'être humain. C'est l'être humain. Oui, il y a des vibrations. Alors, on veut nous dire que les Camerounais sont aussi insensibles qu'au point où des centaines de gens meurent là et puis ils s'en foutent. Il faut qu'on soit sérieux. Le Covid existe, c'est une réalité. Mais maintenant, il y a un diktat international qui se fait à partir des firmes pharmaceutiques qui se battent pour le contrôle du vaccin et sous le contrôle de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Malheureusement, nous sommes embarqués dans le système mondial. Nous ne pouvons pas faire chambre à part. Non, du tout. Vous avez vu que même Madagascar, qui au début s'est émancipé, a décidé de ne plus parler de cette affaire, de gérer à l'interne. Et donc nous sommes embarqués dans cela. Sauf que lorsque nous nous embarquons dans cette affaire, l'argent du Covid fait des appétits. Plus on a trop de cas, plus nous serons soutenus sur le plan financier. Mais sauf que ce n'est pas l'argent des Camerounais. C'est l'argent qui se gère entre ces gens-là. On ne sait pas trop comment ça se passe. Vous avez vu le ministre
des enseignements secondaires qui annoncent des tests dans tous les établissements de la République. Je ne sais pas si elle réalise le côté titanesque de cette affaire. Le vaccin, la curiosité, c'est... On veut absolument avoir ce vaccin. D'accord, l'Union européenne est en train de penser à un passeport médical qui va intégrer, en plus des autres vaccins, celui de la COVID-19. D'accord, il faut s'arrimer. Mais est-ce que, pour autant, on doit imposer une affaire à des gens qui, visiblement, ne sont pas autant touchés que les autres? Voilà. Ceux qui ont grand besoin du vaccin, on sait là où ils se trouvent. Nous ici, d'accord le vaccin, mais il ne faut pas qu'il soit obligatoire, parce qu'à côté, il y a des solutions endogènes qui marchent. Voilà. Ebel, bonjour. Ah, good morning to you, Bizo. Moi, j'ai une question quand même assez complexe pour vous. Hein. Dites, est-ce que le Cameroun a vraiment besoin de ce vaccin? On a personal note, I would say no. No in the sense that we have ordered it over the states, because we have proof beyond reasonable doubt. That we can manage the coronavirus situation in the country, because despite the fact that some people will say Cameroonians are not respecting the COVID-19 barrier measures, but I don't think that we have that overwhelming rate of the coronavirus in the country, because if we do have, we will not see even some government officials or some big people in government organizing big rallies or big parties around the corner. And when you go to our traditional medicine, let me take just that simple example from where Bertrand just ended. We have people who are proving beyond reasonable doubt that no matter the stage of the coronavirus, they can give medicines, they can cure that situation. The whole stuff is like simple stated. That some people somewhere wants to detect. That is why you see of recent you discover that certain ambassadors are multiplying their visits at the Unity Palace and the Ministry of External Relations to put pressure. The government at this point in time is seriously pressurized for this vaccine to come in. And now the government knows that the Cameroonian people are already being anticipated. Gone are the days where it will be used like a test tube to do whatever thing they want to do, but people now do reason. And that is why you see there is a lot of language changing, there is a lot of confusion. People are trying to play one or two manipulation with words, but the essential stuff, because you see the other day the Prime Minister came up and was saying that the vaccine is not obligatory, but when in his statement and said, I urge you all to take this vaccine, because if we take this vaccine, we are going to have this thing in our immune system, and we are going to have a fight against the coronavirus, and Cameroon will come back to normalcy. It is a hypothetical question. If we do not take the vaccine, means that Cameroon will never come.